fleur de peau sur un terrain vague. Ouais, j'aime bien ça, là. C'est plus frais et hop la vie, mettons, que ce que j'ai fait les dernières semaines. Puis ça, ça fait du bien. Les belles années, si c'est la fougue vie, l'ivresse des liens sont furtifs. Je l'ai chantée tout le long. Je l'ai accompagnée de A à Z, comme rivée sur elle. La fleur de peau sur un terrain vague. Je me suis amusée comme tout le long de la chanson, puis j'ai juste vécu le moment. Elle était pas dans un stress, elle était dans un plaisir de chanter. Puis c'est peut-être ça que les gens ont ressenti aussi. Quelqu'un qui fait un avec sa voix, avec peut-être aussi son destin ou ce qui l'attend, sa vocation. La première personne à être déclarée la voix du Québec est... Valérie Carpentier. Là, je me pince. C'est la situation parfaite de voir Valérie avec son originalité, de voir que ce type de voix-là peut passer puis gagner le cœur des gens. Ça m'étonne de joie, là. J'ai l'impression que j'ai fait une bonne coach puis je suis contente. On est là pour te soutenir aussi, on te lâchera pas. Okay. On va être avec toi, on va pas te laisser tout seul dans tout ça. Merci. C'est vraiment comme d'avoir reçu cet amour-là, mais je pense... En tout cas, je m'attendais pas à ça du tout, mais là, je recommence à pleurer, sérieux. T'es très émotif, mais ça a l'air. Nous, on a toujours su la voix, là, fait que c'est juste concrétisé. Excusez, je peux juste dire deux secondes. Oh, ça, c'est pour toi. Oh, wow! Ça, c'est entendu. Oh! Oh, mon Dieu! Oh, le dessin que j'ai fait quand j'avais 8 ans! Hey! Ça ressemble à ça. Tu vois, moi, sur un stage, comme écrit Valérie Carpentier en gros, puis avec une petite bulle, j'ai 19 ans. Mais j'ai 19 ans, là! Mais tu sais, je sais que c'est ce que je veux faire dans la vie, chanter. Mais on dirait que tout, c'est comme trop bien emboîté, je sais pas si je peux dire. Là. Now you say you're lonely. Moi, je pense que le Québec a vu en Valérie quelqu'un qui était fait pour la musique. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je... C'est comme si elle était en transe quand elle chantait. Elle devient comme envoûtante, c'est incroyable. Quand elle chante, c'est vraiment poignant. Ça vient d'une place en elle que peu de chanteurs ont. Elle a quelque chose d'extraordinaire qui sort d'elle comme elle a canalisé de la terre. Une vieille voix, comme tout le monde dit, mais qui nous rentre dedans. Je pense que personne ne peut être indifférent face à autant de beauté à une seule personne. Quand reviendras-tu? Sa voix devient son corps, devient sa personnalité. Tout est plugué directement dans la vérité. Ça sort et c'est juste parfait. Tout le monde est omnibulé par ce qui se passe sur scène. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris. Elle a fleuri, c'est un bourgeon qui éclot tout au long de l'émission. Puis là, ben, rayonne ce soir avec la victoire.